Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Let's go ouvrir ça. Alors, je tenais d'abord à remercier Attends, j'ai pas le petit... Ah, j'ai pas pris le cutter, putain. J'ai fait de la merde. Donc je tenais à remercier Microgames, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu prendre ça. Je vous ferai une vidéo dessus, mais pour le moment, j'ai voulu faire une vidéo dessus. Et en fait, vu qu'ils ont mis un petit peu du temps à répondre tout ça, ça a mis un petit peu du fil à retard dans la caméra, parce que la caméra avait plus de batterie. Donc je suis désolé, mais j'ai pas pu vous sortir la vidéo. Alors comment j'ouvre ce colis, moi? Je fais un peu n'importe quoi. À mon avis, ça s'ouvre un peu comme ça, je sais pas du tout. Ah, il y a une languette juste ici, je suis un peu bête, m'en voulez pas les gars. Alors honnêtement, j'ai essayé de prise de vue, mais ça a pas l'air top. Ça a pas l'air top, et par contre, vous allez kiffer ce qu'il y a dedans. Franchement, vous allez kiffer. Donc voilà. Vous allez kiffer, en tout cas, je l'espère, parce que c'est pas tous les jours que je peux m'acheter ça. Donc, non, comment ça s'ouvre hein? Donc c'est vraiment en partie grâce à eux, parce que j'espère de vous montrer pour combien j'en ai eu. Honnêtement, j'ai acheté directement sur le site de Microsoft, ça fait extrêmement plaisir. Donc les gars, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on se retrouve avec une petite manette des familles. Regardez, elle est pas belle? Franchement, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique, franchement il n'y a pas à dire, elle a l'air d'être hyper belle. Donc on commence par la petite manette, je vais poser ça, merde, El Famoso Cutter. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Donc on va aller délicatement, voilà, tranquillou, il n'y en a pas d'autres, Donc ça vient officiellement de Microsoft, du site, hein. J'ai acheté directement sur le site. Oh là 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 là, comment elle fait plaisir. Je sais pas si vous la verrez bien. Mais honnêtement, elle fait extrêmement plaisir. Bon, alors là, l'ISO, tout ça, c'est vraiment pas au top. J'essaie de vous régler ça. Là, normalement, vous y verrez un peu mieux. Honnêtement, elle est magnifique. Franchement, regardez-moi ça. Je vais la sortir du carton. Oh, il y a des piles avec. Ça faisait longtemps, MDR. Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu des piles, regardez-moi ça. Elle est pas magnifique, les Rey. Putain, elle est légère en plus. C'est violent. Franchement, c'est dur à gérer en... Là, je suis en ISO, je dois tout faire moi-même, c'est un peu la merde. J'ai un peu du mal. Ah, oh, elle a le... Oh, oh, oh. Franchement, elle est magnifique, regardez, c'est vert, là. Putain, elle est belle, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Voilà, donc petite nouvelle manette. Les gars, on se retrouve pour la suite. Honnêtement, j'espère que vous allez kiffer autant que moi. C'est un casque que j'ai vu ou j'ai testé à la Paris Games Week de l'an dernier, 2016, et j'ai kiffé ma race. Donc franchement, regardez-moi ça. C'est pas une tuerie, franchement. C'est un casque Gears of War. Et voilà les gars, et ouais. Ah, franchement, ce casque, c'est une dinguerie. Bon allez les gars, let's go l'ouvrir ensemble. Donc en tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir. Parce que c'est pas tous les jours que je vais acheter des casques Gears of War quoi. Enfin, c'est plutôt inédit on va dire. Et ça fait extrêmement plaisir. Gears of War qui est une licence de chez Microsoft. C'est une des exclus de Microsoft. Hein. Tout le monde connaît. Donc, c'est un HyperX Cloud X pour ceux qui veulent savoir. C'est marqué juste là. Pas si vous verrez pas vraiment bien, mais bon, c'est normal, vous inquiétez pas. La boîte elle est magnifique, il n'y a pas à dire. Et c'est violent, franchement, c'est extrêmement violent. C'est trop bien. C'est trop bien. Je sais même pas où y mettre. Voilà, on va y mettre là. La boîte, bah. Oh, oh, pas mal. Regardez, Gears of War HyperX. Franchement, ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur, les gars. Bah alors je suis désolé, ça va durer un petit, ça prend un petit peu de temps cet unboxing, mais j'espère qu'il vous fera plaisir. C'est un petit unboxing des familles, tranquillou. Tranquillou mon gars. Oh, le petit détail. Franchement, il n'y a pas à dire, hein. C'est magnifique. Franchement Microsoft, vous faites du travail, des fois c'est un truc que je comprends pas, c'est violent. Congratulations, join the HyperX. Ok, d'accord. Donc regardez, ça c'est un petit message pour dire félicitations.
vous êtes parmi nous, voilà. Un petit message, ça fait plaisir. Happy Gaming, ah bah t'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça mon gars. Gears Pack, qu'est-ce que c'est que ça? Donc on a un petit code pour Gears of War 4, j'ai pas encore le jeu, mais je pense que je l'achèterai un jour. Ça peut être pas mal. Et donc là, on a le petit manuel d'utilisation. Voilà, un basique. Et après, on a... Bon, la mousse, hein, forcément. Ça, c'est... Je vous apprends rien. Et là, on a la bête. Waouh, ouais. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Ah, franchement, il est encore mieux qu'à la PGW. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Franchement, il est encore mieux qu'à la Paris Games Week. Je sais pas si vous verrez très très bien, mais... Non, franchement, c'est une tuerie. Faut que je passe le... Voilà. Pour qu'on voit mieux le casque que moi. Je sais pas si on le voit bien, là, le casque. Non, ouais. Là, on le voit à peu près bien. Regardez-moi ça. Franchement, c'est tellement beau. Et au-dessus, bah, normalement, il est marqué Gears of War, hein, voilà. Avec le contre-jour, je suis désolé, mais c'est pas top, hein. Je peux vraiment pas faire mieux. Honnêtement, c'est... Oh là là, le confort il est juste, bah, il est juste violent. Donc là vous avez des petits arceaux comme ça, regardez, ça marche comme ça. Il y a un petit fil là aussi, mais et ça a l'air d'être énorme, hein. Franchement comme casque ça a l'air d'être une tuerie. Et à l'intérieur il y a un petit signe aussi en référence à Gears. Oh là là, il est extrêmement violent. Et ça s'enlève pas, il me semble, bah, parce qu'il est pas en Bluetooth. Et donc là il y a le port pour le micro. Là, je sais pas si vous verrez bien. C'est trop bien. Oh, le câble, il est en nylon tressé, les gars. Regardez. Je sais pas si vous verrez bien le... Ouais, vous verrez pas bien le câble. Mais le câble, il est en nylon tressé. Si c'est pas une tuerie, ça. Oh, mais je pensais pas ça de toi. Et ça, c'est le câble double jack. Donc, regardez. Ok, donc on met le jack normal là. Et après, là, on a une sortie double jack. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir. Moi pour la Vermedia ça va me servir. Et là on a le micro. Le micro il est bizarre. Et donc là on a le micro. Voilà, c'est tout bête hein, mais ça peut servir. Donc on peut l'enlever et le mettre normal. Donc en gros on peut se balader dans la rue avec quoi. Avec le casque sans avoir le micro. En tout cas les gars j'espère que ça vous aura plu. Sur ce je vous dis ciao la bise. Attendez, je remets le focus normal. Sur ce les gars je vous dis ciao la bise. Prenez soin de vous et portez-vous bien. C'était un petit unboxing des familles avec un casque et une manette. Sur ce, je vous dis ciao la bise, les gars, portez-vous bien. Joyeuses fêtes et continuez ce que vous faites, c'est juste énorme. Merci les gars, à la prochaine.